We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. The real power belongs to the people. Bien sûr que Woody React voulait apporter sa pierre à l'édifice et soutenir tous ces jeunes aux quatre coins du monde. Alors vous savez qu'avec nos vidéos, on aime être nuancé. Bien sûr que l'État doit agir, mais nous devons aussi agir de manière concrète et individuelle dans nos quotidiens. Alors on peut ne pas toujours être d'accord, mais par contre, ce qui nous a surpris, c'est le nombre de commentaires négatifs sur Internet par rapport aux jeunes qui manifestent. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui seront jamais satisfaits. Eh bien c'est justement par rapport à ces commentaires négatifs que nous avons décidé de réaliser cette expérience. Sociale. Patrick et Yves seront nos deux acteurs du jour. Ils joueront le rôle de deux capitalistes qui vont complètement dénigrer les manifestants. Et ce, grâce aux commentaires négatifs que nous avons récoltés sur Internet. À votre avis, comment vont réagir ces étudiants qui vont ramasser toutes ces critiques en pleine face? Qu'est-ce que c'est que ça? Regarde-moi ça. Ah oui, cette jeunesse. Et on se demande vraiment qu'ils n'ont que ça à faire. Manifester, manifester. On se demande pourquoi ils manifestent. Des tout jeunes, hein? Des tout jeunes, oui, des tout jeunes. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Bah, manipuler. On veut changer le monde. Excusez-moi, vous n'êtes pas au cours aujourd'hui? Non. Vous avez cours quand même aujourd'hui? Oui. Et comment ça se fait que vous n'êtes pas à votre cours alors? Vous êtes des glandeurs. Vous vous promenez en rue, c'est plus facile que sur les bancs d'école, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et alors, pourquoi vous êtes ici? Aujourd'hui, après avoir réussi tous mes examens, j'ai enfin un jour de libre, donc comment vous dire que... Oui, mais qu'est-ce que ça va changer au climat? Parce que vous êtes ici pour le climat. Mais écoutez, vous, c'est pas votre futur. Vous, votre futur, c'est déjà passé. Bah, c'est notre futur aussi, hein. Oui, pour combien d'années? Pourquoi? Tu crois que je vais t'enterrer dans 10 ans? Quand même, dans un peu plus longtemps que nous. On défend notre futur. Mais si on veut rien, il n'y a rien qui va se passer non plus. Et vous croyez que des moutons comme ça, je sais pas, 50 000 moutons, ça va changer quelque chose? Si les manifs servaient à quelque chose, il y a longtemps qu'on le saurait. Hein. Il y aurait des choses qui ont changé, il n'y a rien qui change. Donc c'est juste... Il y a quand même besoin qu'il y ait des gens qui protestent. La mode triste, c'est que vous, même si vous ne supportez pas la cause, vous êtes là. Plutôt que de travailler, de bosser, d'avoir un job étudiant, de gagner des sous pour votre futur. Moi, avant, j'ai jamais eu aucune manifestation, mais c'est la première fois que je l'ai eu. Génial. Mais avec des jeunes qui font rien, on va avoir beaucoup de problèmes, ça c'est sûr, avec des jeunes qui... Ça c'est ce que tout le monde vous dit pour vous manipuler, ça. Non, monsieur, je ne suis pas manipulée. Oui. Si tu veux savoir, viens enfin à l'université de Gand, chez la géologie. Tout ça c'est du blabla, du blabla, ma fille, du blabla. Non, c'est pas du blabla, c'est scientifique. Mais les scientifiques, ils ont besoin du blabla pour pouvoir convaincre tout le monde qu'il y a des problèmes. Monsieur, les scientifiques pas... et les géologues. Peur. T'as peur? Tu as peur de ça? Moi, parce j'ai que peur. Tu ignores. Mais les politiques aujourd'hui, ils veulent vous faire peur. Et c'est pour ça, ça marche Monsieur, en plus. Ça marche, tout le monde a peur. Ça n'a rien à faire avec la politique. C'est des sciences. Ça, c'est le problème. Tout les ça, gens c'est... qui ne comprennent pas la science exacte, tu ne veux pas écouter les scientifiques. J'ai justement dit qu'on dise. Les scientifiques, ils sont payés par les gouvernements, de toute façon. Monsieur. Vous venez faire quoi ici, vous? Ah, c'est, vous avez un calico, là, c'est ça? Oui. Bah, vous êtes ici pour glander, quoi. Mais pas à l'école? Non. Pourquoi vous êtes ici? Pour manifester pour le climat. Le gouvernement va essayer aussi. Mais le gouvernement va jamais bouger, vous le savez bien. Mais si on dit qu'il va jamais bouger, c'est clair qu'il va jamais bouger. Hein. Bah non, mais c'est pas vous qui allez changer quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il bouge? Qu'est-ce que vous voulez qu'il bouge? Pourquoi vous agressez? Qu'est-ce que vous voulez qu'il bouge? Il y a moyen de vous créer gentiment ou ça? Mais on parle gentiment, on vous demande pourquoi vous êtes ici. Parce qu'on en a envie. Mais le monde va pas changer. Mais après vous, vous dites ça. Non, mais nous on est réalistes, on sait très bien ce qu'il faut faire. Allez au quick, manger un burger et jeter votre canette à la rue, c'est bon. Ah, la cata! Oh! Il y en a marre, Dieu! Bah oui, si on nous agresse, ouais! On sait même pas lire votre panneau. Vaut mieux quoi? Vaut mieux fumer un terre que fumer la terre.
Inter, c'est quoi? C'est un joint? Ouais, c'est un joint. C'est un joint, Inter. Ah ouais. Mais le joint, ça vient de la terre. Hein. Le joint, c'est comme si tu fumais la terre, hein, tu fumes un joint. Ouais, c'est la même chose. Ah. C'est pour le jeu de mots, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas toi qui l'as fait. Et pourquoi t'es ici? Bah parce que moi, je suis là pour la planète, mais c'est pour le climat. C'est dégueulasse, le gouvernement. Oui. C'est dégueulasse. Le gouvernement, c'est de la merde. C'est horrible ce qui se passe. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer le monde? Va changer ce merdier. Mais vous êtes ici pour glander. Après le plastique, tu vas en faire quoi après? Eh ben, on va le manger, le plastique, on va le manger. Tout va beaucoup aller mieux. Et tu vas le mettre où ta canette quand tu l'auras bu? Et tu vas mettre où ton plastique quand tu l'auras bu? Dans une poubelle. J'espère bien. Dans une poubelle. Et on va le biodégradabler. De quoi? C'est à cause de l'ancienne génération, la génération d'avant. Et c'est nous ça. On a fait des acteurs. Would you react? Would you react? Bien sûr. Eh monsieur, je vous regarde toujours. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Sans plastique, fais gaffe. Qu'est-ce que t'as marqué sur ton truc là? Et tu trouves ça marrant? Ouais. Et tu vas pas au cours aujourd'hui? C'est pas que je vais pas au cours, c'est que comme les profs manifestent aussi, on n'a pas cours. Ouais, mais en manifestant, tu crois que tu vas faire bouger les choses? Tout seul, non. Tu l'as trouvé tout seul, ça? Ton slogan, tu l'as trouvé tout seul? Non, je me suis aidé un peu d'Internet. Internet, voilà. Ouais. Tu passes beaucoup sur Internet. C'est Ecosia. Tu es venu ici pour glander, quoi. Non. Sur Internet, t'as un super smartphone, sûrement, et tout ça. Non, c'est un ancien smartphone, j'utilise un PC. Tu crois que tu vas sauver la planète? Tout seul, non. Bah, vous êtes manipulé, ouais, quand même. Manipulé, quand même. Hein. Félicitations. C'est des acteurs. Oh. Et tu vas passer dans la vidéo d'ici un mois. On n'est pas au cours? Non, on n'est pas au cours, on est ici pour manifester. Ouais, pour glander, on n'a rien à foutre du climat de toute façon. Non, ça n'a rien à voir. Et vous allez faire changer les choses? On essaie que le gouvernement va essayer de changer. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes manipulé. Ah, mais c'est vous du vlog! Ah, mais je connais, c'est la famille. Hein. Est-ce que vous n'êtes pas à l'école aujourd'hui? Non, moi je suis à l'université. Oui. Je suis à la fac. Et pourquoi tu manifestes ici? Parce que c'est plus important, le climat est plus important que mon diplôme. Et tu crois que ça va changer? Ah oui, oui, je pense que oui. Et quand tu auras ton diplôme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas travailler dans une multinationale? Tu vas te faire du pognon? Je vais organiser les enfants. Oui, allez. Bon. Qu'est-ce que tu as pensé de... Excusez-moi, vous n'êtes pas à l'école aujourd'hui? Non. Et pourquoi? C'est la grève des jeunes pour le climat. Et vous allez changer quelque chose au climat en étant ici? Oui. Ben, vous êtes des glandeurs, hein, vous êtes ici pour mais pas non. être... Oh, mais si. On n'est pas là pour ça. Hein. Vous êtes là pour quoi? On n'est pas là pour ça, en fait. Oui, il va dire la vérité. Moi, je suis là pour ça. C'est un entonnoir, le système, à la base, on peut être plein de choses. Je sais bien. C'est juste vous amuser à devenir des vieux moutons dans la vie. Oui, mais dans 4 ans, quand tu devras chercher du travail, tu viendras quand même chez nous. Qui dit que... C'est nous autres qui avons de l'argent. C'est nous autres, les capitalistes, qui avons de l'argent. Non. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de l'argent? Je peux aussi vivre dans la forêt, m'en battre les couilles de votre système d'argent. Mais tu vas pas vivre longtemps dans la forêt. Qui vous dit? Mais non, on a déjà essayé. Tu peux vivre en dehors de. Tu sais pas vivre en dehors du système. Tu es déjà connecté toute la journée. Oui, peut-être. Qu'est-ce que tu vas faire sans ça? Je ne changerai pas de vie. Vous êtes manipulé par des politiques, par des médias. Et vous les premiers. Et vous marchez comme des moutons. Là, vous êtes tous occupés à suivre. Ça n'avance à rien. C'est pas ça qui va faire changer les choses. Excusez-moi, on est vendredi aujourd'hui, vous n'avez pas cours? Non. On est dans l'extérieur. C'est plus facile de glander hors des cours que de... Il n'y a pas cours, on n'est pas en internet. Mais on réussit très bien nos examens. Vous ne pensez pas que vous êtes manipulé par des politiques? Donald dit que tout va bien. Ah, si Donald dit que tout va bien, je pense qu'on peut lui faire confiance. Alors, de toute façon, vous participez au système. Mais on participe, mais on essaie quand même de le changer. Moi, je suis banquier. Alors, je fais vivre mes actionnaires. Vous préférez qu'on soit chez nous en train de se dire de toute façon, ça ne sert à rien. Non, autant se lamenter. Mais vous ne pensez pas que vous êtes un peu des moutons là, dans la foule qui suivaient et que... Non, moi je pense qu'on se mobilise et que c'est beau. Ce qui est beau, c'est aussi après les manifs, quand on voit toutes les crasses que les manifestants ont laissées. C'est très beau aussi ça. Regardez. Bravo. Vous avez déjà vu beaucoup de manifestations aussi pacifiques? Vous connaissez en plus. J'ai regardé ton panneau et je t'ai pas regardé ça, je me suis dit, tant mieux, tant mieux.
Pardon, qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? On veut manifester pour le futur, pour avoir une justice. Et vous allez manifester? Une justice, ah, c'est pour la justice qu'on filme. Nous, on est des banquiers. Ouais, et vous croyez que vous allez changer le monde en manifestant Écoutez, on a pas envie d'avoir des ondes négatives, donc on va aller tous essayer. Mais non, mais c'est peut-être manipulé, vous vous rendez bien compte. Non, on n'est pas du tout manipulé, on sait tout à fait ce qu'on fait, ça va, merci. Bonne journée. Retournez à l'école plutôt. Mais vous êtes manipulé. Ah oui, vous êtes manipulé. Rendez compte. Ça parce que vous êtes vieux. Mais pardon. Ah non. Mais c'est nous qui vous donnons de l'argent pour vivre. On n'a rien à foutre de votre argent. On veut que notre monde va bien. Mais oui, mais pour avoir du boulot. Mais la Terre existe depuis 40 milliards d'années. C'est pas en 200 ans que le monde va changer. C'est la vie du monde. Mais non. Vous êtes des glandeurs. C'est tout. Vous n'en avez rien à foutre du climat. Oui. Ma part des choses. Ah oui, regarde, t'es connecté. T'es un GSM dernière génération. Tu vas pas changer le monde en deux jours. Vous n'avez rien à dire. Vous êtes des fourmis. Bah oui. Bah oui, vous êtes des fourmis. Des milliers de fourmis. Mais on va montrer aux ceux qui sont grands que les fourmis peuvent bouger. Ça existe en vrai, vous pensez? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on leur répond à eux? Allez vous faire. Excusez-moi, vous êtes venu manifester pour le climat aujourd'hui? Oui. Et vous croyez que vous allez changer quelque chose? Vous ne croyez pas que vous êtes manipulé par... Non, bien du tout, pas. Non, non. Moi, j'ai étudié la biologie. Ça, c'est pas très naturel, tout ça. Hein. Non, ça, c'est vrai. Non. Ça, c'est vrai. Tout le monde mange, tout le monde dépense, tout le monde oui, est dans... Mais on peut choisir. On est dans un cycle de consommation. On peut choisir ce qu'on peut manger, ce qu'on peut faire avec la mobilité, oui. Avec l'énergie, mais ça, avec la nature et la c'est une minorité qui pense comme vous. Hein. Ben, c'est là même la minorité. Il n'y a pas beaucoup de monde, quand même. Non, hein. Ça, c'est pas vrai. Trouvez. Je ne sais pas d'où venez-vous. Bah, on... Arrêtez. On a envie de dire et d'où venez-vous parce que vous avez un micro. Non, on travaille pour la finance, nous autres. Les rapports scientifiques, monsieur. Ils sont. Les étudiants sont 100 fois plus rationnels que vous deux ensemble. Alors, c'est pas très bien le français. c'est très bien. Je merci. Suis flamand, moi. Vous retournez en classe, là, c'est ça, je suppose? Non, on va à la maison. On a fait l'école, là. Hein? On a fait l'école, c'est fini à 15h35. Vous n'avez pas été au cours? À 15h35. On a été un peu le matin, du coup. Ça a changé quelque chose pour le climat? Elle a été sur faire une coloration naturelle, tu vois? Non, au bleu de méthylène. Excusez-moi, mais vous voyez la loi climat, par exemple? Comment? Ouais, ouais. Eh bien, il y a 6 mois, sans les manifestations, ça n'aurait jamais pu être possible et les politiciens l'admettent eux-mêmes. Non, bravo! Bravo! Oui, hein, vous nous filmez, en fait. Alors on aura tout fait pour essayer d'énerver les manifestants, mais on n'aura pas vraiment réussi. Ils ont réussi à garder leur calme. Et s'il y a bien une seule information qu'on retiendra de cette manifestation, c'est bien la pacificité des étudiants. Sachez en tout cas que nous, notre équipe World React, elle soutiendra toujours les jeunes qui préfèrent s'unir plutôt que de se diviser, qui préfèrent penser à la société plutôt qu'à leur propre petite personne, et des jeunes qui préfèrent créer des liens sociaux dans la société plutôt que de rester seuls. À tous ceux qui seraient sceptiques par rapport au changement climatique, même s'il n'y aurait pas d'urgence, il serait toujours bénéfique malgré tout de faire attention à notre planète.